Akiva, la plus reculée des villes sur la route de la soie, fondée au Xe siècle et capitale régionale pour les tribus ouzbèques au XVIe siècle, le centre d'artisanat a trouvé place dans la médersa Hakim Khan. Cette médersa, édifiée en 1876, était une des plus importantes d'Asie centrale. À cette époque, Hakim Khan avait la tâche ardue de concilier la domination russe et l'indépendance farouche de ses sujets nomades. La médersa Amin Khan, devenue aujourd'hui l'hôtel Khiva, pouvait accueillir 250 étudiants. Son patron a été au milieu du 19e, un des plus illustres khans de Khiva, luttant contre les tribus rivales, Yomout, Deké et Ouzbek. Résidence des khans de Khiva, elle a été transformée par ceux qui s'y sont succédés jusqu'au milieu du 19e siècle. On y visite la mosquée d'été avec son iwan recouvert de céramique aux motifs géométriques ou végétaux. La salle du trône, où le khan tenait ses audiences publiques, qui avaient également lieu l'hiver dans une yourte installée au milieu de la cour. Le trône du khan, en bois argenté, a été emporté par les Russes au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. La mosquée de Jouma, ou mosquée du Vendredi, construite en 1789, constitue un havre de paix dont la pénombre tranche avec le bruit et la lumière de la ville. Salle rectangulaire au toit plat, sa forêt de 213 piliers de bois en remploi, dont certains datent du Xe siècle, retrace 1000 ans de l'histoire de Khiva. Baklavan Mahmoud, poète et guerrier célèbre, est devenu le saint patron de Khiva après sa mort en 1325. Enterré selon sa volonté dans son atelier, il y a été rejoint par de nombreux disciples. À partir de 1810, les khans de Khiva ont transformé ce lieu de pèlerinage en mausolée familial. L'ensemble est saturé de céramique de toutes les nuances du bleu, du plus glacial au plus ardent. Après la période soviétique, jeunes mariés ou couples qui souhaitent avoir des enfants ont retrouvé le chemin de ce lieu le plus sacré de Khiva.